tout ça, ça nous a poussé à... Parce qu'on jouait plus au football, d'ailleurs. J'étais plus footballeur qu'handballeur. Ça, je pense, l'ambiance du handball. Dans le Bedina, on a commencé à faire Hentaya. J'ai joué jusqu'à junior, à Hentaya, j'ai fait la dernière saison à Hentaya, doublé en junior. Le fameux doublé, c'était pratiquement le premier titre national, le de Hentaya, tout sport confondu. On avait décroché le championnat d'Algérie en cas d'année, 2 ans avant. Je suis le DNC. Le DNC, j'ai fait pratiquement 4-5 ans. Pour 2 saisons, à outre le DNC. Donc, on a un autre joueur en 90, c'était 94. Entre-temps, de 80, puis le DNC, j'ai entraîné à Hentaya. L'année de l'accession, j'étais l'entraîneur de Hentaya. J'étais joueur à la DNC, j'ai entraîné à Hentaya senior. J'ai entraîné les jeunes de Hentaya, parce qu'entre-temps, j'avais fait technicien supérieur en sport spécialité en handball. J'étais affecté à Hentaya, donc ma différentes générations. Pratiquement, j'avais une équipe junior, j'ai fait 2 ans. L'accession pour Hentaya en national. Je suis en train de faire de 2 saisons en tant que joueur à l'autre du BNC. Bien sûr, Maroc BNC, j'ai décroché un championnat d'Algérie, un championnat d'Afrique. On a joué 2 championnats d'Afrique minimum. En 90, j'ai été entraîneur-joueur à l'Empire. J'ai fait une saison avant de venir à l'Empire Finnet. En bas de 90 à 94, j'étais entraîneur-joueur à Hentaya, la dernière année plus. 94-95, j'ai fait le Ferwiba. En bas de Hauter, j'ai fait le DNC pour 2 saisons. On a décroché la Coupe d'Algérie avec le DNC, comme nous avons fait dans Salah Bouchkrio. Il était entraîneur national, on a fait ensemble sur le club. Après, j'ai fait en Tunisie, j'ai fait 2 saisons. J'ai eu l'occasion de faire une équipe en National 1, Olympique Medellin. C'est au sud de Tunis, la frontière libyenne pratiquement. Par la suite, j'ai travaillé avec Bidjaya. J'ai fait une très bonne saison avec Bidjaya. On a fait 3e championnat, seulement en demi-finale, Meskikda, qui a perdu en finale face au Mouloudia de prolongation. Après, j'ai fait 4 ans chez Biskra. 4 ans, on a commencé avec un titre de champion d'Algérie. On a fait 3e, 2e, 1er ex-aequo au Mouloudia au titre. 4e saison, on a championnat. On a joué une finale de Coupe d'Algérie avec Biskra. Mais je pense que l'apothéose, c'était avec Biskra. Parce que le Mouloudia, ça fait à ce jour-là, où on a eu un hâteur avec vous, ça fait plus de 15 ans que le Mouloudia décroche le doublé, sauf 2004. On a eu un doublé. Ou 2003, on a eu un ex-aequo championnat. Deux titres, on a eu la barrage. Après, j'étais sollicité par une équipe koweïtienne, où j'ai fait 4 saisons avec la même équipe. J'ai décroché 5 titres de 4 saisons, dont un doublé, une coupe du golf, une coupe du golf, une coupe de la fédération. J'ai fait une arme de 2 finales de Coupe d'Asie. J'ai participé à un championnat arabe et un championnat du golf à Hedda Khortani. Sur 4 ans, j'ai décroché 5 titres. Après, j'étais sollicité d'année par une autre équipe de ma, j'ai changé de belt, je suis en ma 3e année. J'ai décroché 3 titres, j'ai joué un championnat arabe, une Coupe d'Asie, on est arrivé en demi-finale. Grosso modo, à ce jour, je reprends la même équipe, on a des challenges très intéressants actuellement. Cette saison, on a la Coupe d'Asie, la Coupe du Golf et éventuellement Coupe arabe, où on doit défendre notre titre parce que. Je pense que le Koweït, ça fait 7 saisons, j'ai décroché 8 titres. Sur les 7 championnats, j'ai décroché 4 championnats. Sur les 7 coupes, j'ai décroché 2 coupes. Je pense actuellement, je suis l'entraîneur le plus titré de le Koweït.